Elles étaient nombreuses à les attendre. C'est sous les acclamations de leurs fans qu'une partie de la troupe du spectacle musical Robin des Bois est venue samedi à l'espace Saint-Quentin. Au programme, séance de dédicace et échange avec le public. J'ai fait deux heures de route pour venir ici, pour Sacha Tran. Et parce que j'aime beaucoup la comédie musicale, je trouve ça vraiment bien. Ça fait bizarre surtout, leur parler enfin en vrai. Bah, c'est des stars, des gens connus quand même. Dommage qu'il n'y a pas eu Matt, mais bon, on est contente quand même. Matt, c'est de M. Pokora dont il s'agit, qui incarnera le rôle-titre de ce spectacle. C'est un bon leader. Un bon leader pour nous, c'est quelqu'un qui laisse la place aux autres, que malgré sa notoriété, il nous laisse aussi notre place et c'est ce qu'on apprécie. L'alchimie qu'on a entre nous, c'est juste super. C'est pas nécessairement évident de mettre cette personne probablement inconnue, qu'on se connaît pas encore, où on n'a pas d'affinité, on n'a pas encore d'affinité. Mais là, on s'apprécie tous, on apprend à se connaître, et que ce soit musicalement que personnellement, donc ouais, humainement, donc c'est juste super, c'est top. On a des origines, des cultures différentes, on s'est rencontrés, ça s'est très très bien passé, on a créé très vite des liens, assez forts même, les uns les autres, ensemble, et on est très contents, encore une fois, de faire ce spectacle tous ensemble, et on est persuadés, et je pense que c'est une certitude, qu'on s'apprête à vivre une expérience inouïe. Les répétitions officielles commencent le 8 juillet, mais on a, par contre, on s'est pas mal entraîné pour être prêt physiquement, prêt à faire tout ce qu'on va nous demander au niveau des acrobaties. Matt et moi, on suit un cursus spécial avec des acrobates aériens. La comédie musicale Robin des Bois est à découvrir sur la scène du Palais des Congrès à Paris à partir du 26 septembre.